Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au prix ton demande qui est, à mon avis en tout cas, l'un des meilleurs business pour se lancer quand on a un très faible budget et pour faire exploser ses résultats à moindre risque. Le prix ton demande, je le rappelle, c'est une version améliorée du dropshipping où vous allez pouvoir vendre des produits personnalisé, vous allez pouvoir créer votre marque de produits sans jamais avoir de stock. Ce sont les fournisseurs qui vont se charger d'absolument tout, de la fabrication du produit à la pose de votre logo jusqu'à la livraison de votre prospect. Bien entendu, pour se lancer en prix ton demande, il vous faut un fournisseur, il vous faut une application de prix ton demande. Du coup, je vais vous présenter les deux mastodontes du prix ton demande et je vais vous présenter une troisième plateforme de prix ton demande avec lequel vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash. On va voir ça ensemble tout de suite. Juste avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce qu'il y a vraiment du lourd à venir. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Telegram. C'est un groupe gratuit sur lequel je partage mes conseils et mes astuces. Trêve de bavardage, passons au vif du sujet. Quelles sont les plateformes de prix ton demande que je vous recommande si vous voulez vous lancer en 2021. Alors la première plateforme, c'est la plus connue, il s'agit de Printful. Printful, comme je vous le disais, a pignon sur rue. C'est le plus gros prestataire de prix ton demande, c'est l'un des premiers ou c'est le premier pratiquement prestataire de prix ton demande. Il a vraiment une très très grande notoriété. Se lancer avec Printful, c'est avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ben, vous allez pouvoir vous connecter facilement avec Shopify si vous voulez créer votre boutique Shopify. Dans le programme complet, je vous explique l'importance d'avoir une boutique Shopify. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est en passant. Vous pouvez très bien cartonner en prix ton demande sans jamais avoir de boutique Shopify. Avec Printful, vous pouvez donc soit vendre sur des marketplaces, soit vendre sur Shopify ou faire les deux en même temps et gagner plus d'argent. L'accès à Printful est 100% gratuit, ça veut dire que vous ne payez absolument rien. Alors ici déjà, vous voyez les plateformes qui sont connectées avec Printful, donc Shopify bien entendu. Après, vous avez tout un tas d'autres plateformes. Et puis en termes d'intégration, vous avez les marketplaces, comme je vous l'expliquais, puisque vous pouvez très bien faire du prix ton demande sans boutique. Et depuis Printful, vous pouvez vendre directement sur Etsy, qui est the plateforme par excellence pour vendre quand on fait du prix ton demande sans boutique. On en parle dans le programme complet. Vous avez Amazon, bien, sur lequel vous pouvez vendre vos différents articles. Je rappelle que le prix ton demande, ce n'est pas que des t-shirts. Vous pouvez vendre tout un tas d'articles personnalisés. Et du coup, Amazon va être une bonne plateforme. Ensuite, vous avez eBay. Donc eBay, je ne vous le recommande pas pour du prix ton demande. Hein. Vraiment, concentrez-vous sur Etsy et Amazon. Et après, vous avez Bonanza, Wish, StoreEnvy qui ne vont pas vous intéresser ici. Mais Etsy, en tout cas, et Amazon, en particulier Etsy, et bien, vous allez pouvoir vendre sur ces deux plateformes directement depuis Printful, sans passer par d'autres intermédiaires. Donc, si vous avez une plateforme qui n'est pas compatible avec Printful, vous pouvez toujours utiliser l'API pour pouvoir connecter Printful à votre boutique e-commerce si vous avez par exemple PrestaShop ou WooCommerce si vous faites du WordPress. Donc Printful, c'est plus d'un million d'articles expédiés chaque mois. D'accord? Donc ça signifie que si vous passez par eux, vous n'aurez aucun problème au niveau de la livraison. La livraison qui d'ailleurs se fait assez rapidement. Vous avez en termes d'articles, vous avez les vêtements, hein, donc les sweats, les t-shirts, les casquettes, les body pour bébé, qui est une bonne niche. Vous avez les chapeaux brodés, bon ça non plus c'est pas forcément pertinent. Vous avez les bijoux gravés, donc ça c'est très très bien. Vous avez les coques pour téléphone. Je vais cliquer sur plus. Voilà, vous avez des sacs à dos, vous avez des chaussettes, vous avez des leggings, qui est une excellente niche. Également, si vous voulez faire du prix ton demande en 2021, vous pouvez faire plein de choses autres que des vêtements. Donc, vous n'êtes pas obligé de. Enfin, autre que des t-shirts, je veux dire. Donc, vous n'êtes pas obligé de vendre des t-shirts. Les leggings, non seulement c'est une bonne niche, mais vous aurez une excellente marge dessus. Vous avez les vestes également, sur lesquelles vous allez pouvoir marger. Vous avez les pantalons, sur lesquels vous allez bien pouvoir marger. Autre avantage avec Printful, non seulement Printful a des entrepôts aux États-Unis, si vous voulez vendre en Amérique, mais Printful a également des entrepôts en Europe.
Du coup, si vous voulez vendre sur un marché ben, français notamment, puisque faut vraiment s'axer sur le marché français, vous avez un boulevard devant vous. Il y a vraiment peu de concurrence, peu de compétition. Ce n'est pas comme en dropshipping classique. Eh bien, vous avez des entrepôts qui se trouvent ici en Espagne. Et si je ne me trompe pas, la France se trouve juste ici. Ça signifie que la livraison va être extrêmement rapide. En une semaine maximum, vous avez votre produit. Ok? Quand une commande est faite, eh bien, la commande va être exécutée le jour même. Et ensuite, votre prospect, il recevra son colis dans les 7 à 8 jours qui suivent. Du coup, ben, pour le fidéliser, ça va être plus simple. Et justement, puisqu'on parle de la fidélisation, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser vos packaging, enfin du moins personnaliser l'emballage de vos produits. Et ça vous donne une plus-value énorme sur ceux qui font du dropshipping classique. Non seulement votre emballage, ben, vous allez pouvoir mettre votre logo dessus, mais vous pourrez également rajouter des petits cadeaux, des petites cartes de remerciement, des coupons de réduction. C'est une excellente stratégie que l'on voit dans le programme complet pour fidéliser ses clients, puisque c'est très très important de fidéliser un client pour qu'il devienne un client récurrent qui achète tout au long de l'année. Quand il passe une première commande, vous lui envoyez un bon de réduction dans son colis avec votre marque dessus. Vous aurez également ben, vos factures qui auront votre logo dessus. Donc c'est vraiment comme si, enfin, vous avez votre véritable marque. C'est vraiment le but que vos prospects voient qu'il y a une véritable entreprise derrière et que ce ne sont pas des produits qui viennent de Chine, que vous n'êtes pas juste un intermédiaire. Non, c'est votre marque, votre univers, d'accord? Et Printful, ben, c'est le seul prestataire aujourd'hui qui vous permet de personnaliser jusqu'au packaging. Donc de mettre votre logo sur les factures et de mettre votre logo sur l'emballage et puis de pouvoir rajouter des cartes de réduction. Donc voilà pourquoi j'aime énormément Printful. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à Printful, si ce n'est que en termes de prix, peut-être pour les produits, ce ne sont pas les produits les moins chers, mais ça reste quand même très très abordable et vous pouvez quand même faire de belles marges avec les produits Printful. Et derrière, ben, tout le service qui est apporté, il y a la sécurité déjà, puisque vous savez que vos produits vont réellement être livrés à vos prospects, donc vous n'aurez pas de problème. Les produits sont de bonne qualité, puisque ça aussi c'est très important que les articles soient imprimés de la bonne manière. Et puis derrière, bien, vous pouvez rajouter des cartes cadeaux, des coupons de réduction, des bonus. Enfin, vous pouvez vraiment pousser votre branding jusqu'au bout. Voilà, donc Printful. C'est la première plateforme que je vous recommande si aujourd'hui vous voulez vous lancer. Son concurrent principal s'appelle Printify. Printify, comme je vous le disais, ben c'est le concurrent par excellence de Printful. C'est le numéro 2 en termes de plateforme de prix de ton demande. Là encore, vous aurez pas mal d'articles que vous allez pouvoir personnaliser et vendre. Avec Printify, vous aurez plus de produits, enfin plus de choix de produits à personnaliser qu'avec Printful. Ici, donc, vous avez des accessoires, en fait, des produits pour la salle de bain. Vous avez des draps, vous avez des oreillers, des couvertures. Vous avez même des petits coussins pour les chiens, qui est une bonne niche également, que vous allez pouvoir personnaliser avec l'image en fait, du chien, du chat, en fait, de l'animal de compagnie. Ici, vous pouvez trouver une niche pour bébé et vendre des oreillers, des coussins pour bébé. Sur Printful, vous aurez ben, des coussins d'oreiller, mais vous n'aurez pas de drap, ok? Vous n'aurez que des serviettes. Ici, sur Printful, dans la même catégorie, vous n'aurez pas tout cela. Vous aurez que des coussins et des serviettes, mais vous n'aurez pas de drap, vous n'aurez pas de couverture et vous n'aurez pas d'accessoires pour la salle de bain ni pour les animaux, enfin pour les chiens. De même, avec Printify, vous avez les masques pour le Covid-19, puisqu'on est actuellement en pleine crise de Covid-19. Avec Printful, vous n'avez pas de masque, malheureusement. Enfin, ils n'ont pas pensé à rajouter les masques. Sur Printify, vous avez la possibilité de vendre des masques personnalisés. Donc ça aussi, c'est intéressant. Tant qu'on a besoin de porter des masques, eh bien, vous pouvez en vendre. En termes de vêtements pour bébé, vous aurez également plus de choix sur Printify. Comme vous le voyez ici, vous avez des articles intéressants que vous allez pouvoir personnaliser également. Maintenant, quels sont les inconvénients de Printify? Eh bien, le premier, ça va être au niveau des entrepôts. Printify n'a des entrepôts qu'aux États-Unis. Donc la livraison vers l'Europe, vers la France par exemple, sera
un petit peu plus longue. Ce n'est pas la fin du monde, mais elle sera quand même plus longue que si vous aviez des produits sur Printful. Un autre inconvénient de Printify, outre le fait qu'il n'y ait pas d'entrepôt en Europe, ça va être au niveau du prix. Puisque Printify, ce n'est... enfin, il y a une partie gratuite et une partie payante. L'abonnement gratuit n'est vraiment pas intéressant. Okay? Pourquoi ça devient intéressant? Vous devrez prendre l'abonnement premium. Avec l'abonnement premium, vous aurez 20% de discount sur tous les produits, ce qui signifie que vous aurez 20% de marge en plus quand vous allez revendre ces mêmes produits. Malheureusement, pour avoir cette ristourne de 20%, il faudra prendre l'abonnement qui se trouve être de 29 $ par mois, soit à peu près 24 € par mois. Par contre, Printify est aussi, il y a également une intégration avec Etsy et eBay, donc c'est déjà bien, mais il faudra quand même prendre un abonnement. L'avantage, c'est que comme je vous le disais, vu que vous avez une ristourne de 20%, eh bien, ça veut dire que vous aurez des produits qui vont coûter moins cher que sur Printful. Donc Printful, c'est gratuit, mais les produits seront un peu plus chers. Printify, vous devez payer un abonnement par mois, mais les produits seront 20% moins chers, soit 20% de marge en plus. Voilà, donc maintenant vous connaissez les deux mastodontes du print on demand, à savoir Printful et Printify, qui ont de gros gros avantages. Les deux fournissent d'excellents produits avec la qualité qui est au rendez-vous. Maintenant, je vais vous présenter un troisième prestataire qui se démarque de ces deux-là. Il s'agit de Genprint. Avec Genprint, vous allez pouvoir créer une marque de montres ainsi qu'une marque de chaussures. C'est vraiment la particularité de Genprint. Ils se sont focalisés dessus pour se démarquer des deux autres. C'est que ici, vous allez pouvoir créer une marque de montres, une marque de chaussures. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en parle encore dans le programme complet. Si aujourd'hui vous voulez créer votre marque de montre, vous pouvez le faire. Si aujourd'hui vous voulez créer votre marque de chaussures, vous pouvez le faire avec Genprint. L'inconvénient de Genprint, enfin il y en a deux. Le premier, enfin le bémol, ce ne sont pas des inconvénients, ce sont des bémols. Le premier, c'est que effectivement les entrepôts ne sont qu'aux États-Unis. Donc c'est pareil que sur Printify, la livraison vers les pays européens, enfin, cela va prendre un peu plus de temps, mais ça reste toujours dans la fourchette d'une dizaine de jours, donc ce n'est pas énorme. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'est compatible qu'avec Shopify. Donc si vous voulez créer votre marque de montre ou de chaussures, vous pouvez le faire, mais uniquement sur Shopify. Genprint n'est pas compatible avec Etsy ou Amazon ou eBay. Du coup, enfin, vous pouvez toujours vendre sur Etsy, etc. Il n'y a pas d'intégration directe, du coup cela va vous demander un peu plus de travail. D'accord? Voilà, donc maintenant, si vous souhaitez vous lancer en print on demand, vous avez trois prestataires de qualité avec lesquels vous allez pouvoir vous lancer. Maintenant, pour aller plus loin, il vous faudra du coup des designs et du coup, en rejoignant le programme complet print on demand Academy Volume 3, vous recevrez un pack de 250 designs. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs pour ne pas que tout le monde ait les mêmes produits à vendre. Vous aurez également un pack de mock-up avec des êtres humains qui portent vos produits. De cette manière, vous allez générer beaucoup plus de ventes. Et puis, bien entendu, vous aurez accès à nos outils comme Ads Club, qui est un logiciel d'espionnage sur lequel vous allez pouvoir trouver toutes les publicités de tous vos concurrents, quel que soit le pays, quelle que soit la niche. Ainsi, vous allez pouvoir trouver les Facebook Ads, enfin, les publicités sur Facebook, les publicités Instagram, Google et YouTube. Ads Club, ce n'est pas seulement pour des prix de demande, vous pourrez le faire pour n'importe quel type de business, dropshipping, e-commerce, infoprenariat, ce que vous voulez. Vous aurez un accès illimité et à vie à Ads Club. Si vous voulez rejoindre le programme complet, faites-le avant la fermeture des portes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.